pauvre que les pauvres gens. Le bon vent, le joli vent, le démocratie qui arrive. Le bon vent, le joli vent, la démocratie maintenant. Souffre que les pauvres gens. Il souffre que les pauvres gens. Les femmes, les vieux, même les enfants. Le bon vent, le joli vent, la démocratie qui arrive. Le bon vent, le joli vent, la démocratie maintenant. Les femmes, les vieux, même les enfants. Les enquêtes de la SQ ne marchent pas. On veut une enquête indépendante. Sans quoi la justice est défaillante. Bad cop, bad cop, vous la faites batteur. L'enquête sur la violence policière. Bad cop, bad cop, vous la faites batteur. L'enquête sur la violence. Tout le monde. Bad cop, bad cop, vous la faites batteur. L'enquête sur la violence policière. Bad cop, bad cop.
mon char. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Bad cop, bad cop, pour la vraie bataille. L'enquête sur la violence policière. Bad cop, bad cop, pour la vraie bataille. L'enquête sur la violence policière. Bad cop, bad cop, pour la vraie bataille. L'enquête sur la violence policière. 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 Ok. Une dernière tune à la page 12, règlement P6. Et c'est quand même très bizarre parce que j'ai créé cette chanson avec un refrain où je dis on peut manifester pacifiquement. Et je sais comment, mais ça va pas être populaire cette chanson parce que peut-être ça va brasser la manif, lundi contre le P6. Et puis finalement, c'était juste moi qui étais arrêté. Ça va? Ça arrive, ok. Donc. Règlement B6, règlement B6, pour l'abroger. 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 On peut manifester, ohé, ohé. Pacifiquement, on veut manifester. On veut plus faire. Arrêtez, ohé, ohé, il faut que le P6 soit abrogé. Let's go, let's go, on veut s'exprimer, mais il ne nous perdra. À qui l'a eu? À nous l'a eu. La démocratie n'a pas d'itinéraire. Qui en plus fort, si nous ignore. Shut up!
essaye de m'embrasser. Faut l'abroger. On veut manifester, ohé, ohé. Pacifiquement, on veut manifester. On veut plus faire. Arrêtez, ohé, ohé. Il faut que le PC soit abrogé. Il y a beaucoup de monde qui ont eu du fun à chanter avec eux. Je vous invite à suivre leur page Facebook, c'est ça que vous utilisez le plus. Yes! Donc, suivez leur page Facebook, regardez ce qu'ils font, on les aime. Donc, je me présente, je m'appelle Maryse Poisson, je suis dans l'équipe qui a écrit ce rapport-là. Donc, moi, je suis étudiante à l'UQAM, j'ai travaillé sur ce rapport-là avec plus de 15 autres étudiants, avec trois organismes qui ont lancé ce rapport-là, que vous connaissez, la Ligue des droits et libertés, l'Association des juristes progressistes et le comité légal de la classe. C'est un petit applaudissement pour tout ça. Puis, je vais laisser vous parler de ce que c'est ce rapport-là. Mais ce que pour nous, ça a été, les 15 étudiants qui ont travaillé là-dessus, ça a été une occasion de ramasser les histoires de la grève, de les mettre ensemble, puis d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces histoires de répression-là, d'arrestation. Donc, c'est un gros objectif qu'on s'est donné. Ça a pris plus de temps que prévu l'écrire, on s'excuse. On s'était dit, ça va prendre un mois, deux mois. Finalement, ça a pris 8 mois, hein, à peu près 8 mois. Mais bon, ça a été tout un beau travail. On a beaucoup appris, la gang ensemble, à travers ça. Puis vous allez les connaître, les gens qui ont travaillé là-dessus. Donc, j'invite tout le monde qui n'a pas un rapport dans les mains à aller à la table qui est juste devant le bar. Les rapports sont là pour être consultés. Puis si vous voulez partir avec chez vous aussi, vous pouvez partir avec, mais considérez que ça va être mis en ligne demain matin. Donc, tout le monde va pouvoir en imprimer une copie chez soi. On en a une certaine quantité à distribuer ce soir, mais on n'a pas fini. Donc, réfléchissez bien. Puis, là, ici, je vous fais part d'une décision qu'on a prise. On s'est dit, hey, on va faire le lancement avant la conférence de presse. Parce que la conférence de presse est demain. Donc, c'est ça, demain matin à 10h. Donc, les journalistes vont prendre connaissance de ce rapport-là après vous. Après vous. Ça, c'est une décision qu'on a prise. On y a pensé, on s'est dit, ah, ça a bien de l'allure que les militants le sachent avant les journalistes. OK. Sauf que ça vient avec une petite demande de notre part. S'il vous plaît, prenez pas des photos de chaque page puis mettez-le pas en ligne ce soir parce que là, on trouverait qu'on n'a pas fait la bonne décision. Je pense qu'il y en a qui avaient déjà cette idée-là. Mais s'il vous plaît. OK, cool. Puis nous autres, on prépare un site Internet qu'on va lancer demain matin aussi à 10h pour pouvoir partager le rapport sur Facebook, sur Twitter. Donc, vous allez pouvoir le faire. Mais attendez demain matin, s'il vous plaît. Ça serait bien cool. Comme ça, nos porte-parole, ben, ils vont pouvoir faire une conférence de presse qui va être reprise dans les médias. Sinon, personne va se pointer. Donc, c'est ça. Donc, petit avertissement aux médias qui se trouvent peut-être dans la salle. Écoutez, c'est ça, je me suis présentée. Là, c'est le temps de jaser du rapport, mais je serai pas toute seule sur scène ce soir parce que je suis même trop nerveuse pour faire ça toute seule. Fait que j'ai un compagnon ce soir qui est quelque part, monsieur Maxence Valade. Salut, ben, je sais pas trop quoi dire. En fait, je vais laisser Maryse introduire le rapport. Moi, je m'appelle Maxence. J'étudie en sociologie à l'UQAM, puis je suis nouvellement élu au comité de mobilisation de la scène avec lequel on va essayer de faire de quoi dans tout ce marasme-là. Sinon, à toi. Super, merci Maxence. Avant de passer la parole aux trois représentants des trois organismes qui ont travaillé là-dessus, on aimerait inviter Maxence à nous faire un petit... est-ce que tu es encore dedans? OK, on avait eu cette idée-là. Il faut bien tester si ça marche encore, notre idée. Fait que Maxence, ça te tente de nous faire un petit retour sur la grève puis sur tout ça. Puis après, on va passer à la présentation du rapport. Mais tout le monde, allez en prendre à la main. Hey, rebonjour! Ouais, en fait, c'est ça. Mais avec ma fonctionnalité habituelle, j'ai préparé genre 5-6 points à vous dire. Je vais pas parler de la grève.
plutôt du contexte social entourant la grève, donc la répression autant politique, médiatique, policière, juridique qu'il y a eu autour de ça, puis la répression constante qu'on subit encore une fois présentement. Fait qu'en fond, en fait, c'est plutôt simple à comprendre là, devant comme l'incapacité de l'État, des médias, puis tout ce qui représente la droite dans notre société à faire de quoi avec notre société. C'est beaucoup plus facile pour eux de réprimer leurs ennemis, donc tous ceux et celles qui sont présents dans la salle présentement et toutes les personnes qui représentaient la grève en tant que telle. Fait qu'on a subi un mépris constant de ces gens-là. Ce qui fait en sorte que les... En tout cas, puis ça, c'est subi par le fait qu'on est soumis à l'économie de plus en plus dans notre société. C'est pas l'économie qui est soumise à la société en général, c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui sommes soumis à l'économie. Puis ça, c'est plutôt désastreux, là. Surtout que ça fait en sorte que la société est remplacée par des systèmes, puis les individus sont remplacés par des sujets, en fait. Fait qu'on a une incapacité d'action. Sauf par des moments là, comme la grève générale unité, où on prouve qu'on est capable de reprendre le politique en main, de faire quelque chose avec notre société, puis d'avoir de l'espoir pour celle-ci. Sinon, c'est ça. Puis en termes de répression, là, encore une fois, lors d'événements comme ça où l'État perd sa boussole, puis l'État n'est plus capable de rien faire, ben, l'État, la seule chose qu'il a à offrir à ses citoyens, ses citoyennes, c'est de la répression, parce qu'il y a une demande de calme, en fait, puis là, l'État offre de la répression, puis c'est la seule capacité d'action que celui-ci a. Fait qu'en gros, pour changer le cours des choses, la seule manière de faire, c'est de devenir humain, puis en tant qu'humain, c'est comme ça qu'on sera rebelle. Sinon, pour c'est vraiment pertinent qu'il y ait un rapport comme ça qui soit produit, parce que notre lutte par l'éducation pour l'éducation passe par quelconque forme d'éducation. Ce rapport-là en fait partie. Avoir une pérennité dans la mémoire des choses aussi, c'est super important. Là. Comme Milan Kundera le disait dans le livre du rire et de l'oubli, la lutte de l'homme contre le pouvoir et la lutte de la mémoire contre l'oubli. Donc, je vous invite à en prendre conscience et à faire en sorte que notre société redevienne société. Merci. Là, puis moi je prends l'autre. Puis on s'échangera ça une temps. OK, fait que moi quand j'ai embarqué dans ce projet-là de rapport qui est encore embryonnaire, ben là je me suis dit, OK, on a déjà plusieurs témoignages, mais on en veut plus. Parce que si on veut vraiment écrire un rapport systémique, il nous en faut en titi des témoignages. Fait que moi à l'époque, j'étais impliquée dans CUTV, que vous connaissez. Ouais. Pas besoin d'expliquer c'est quoi CUTV. Good. Puis en fait, j'ai produit avec des amis de CUTV qui sont peut-être ici ce soir. Donc Christine, la super Christine. On a produit un vidéo pour appeler les témoignages. Puis on a utilisé des témoignages vidéo qu'on avait pour le faire. Donc on a décidé de donner la parole à des gens qui avaient vécu la répression, qui avaient été arrêtés, tout ça. Fait qu'on vous présente ce vidéo-là pour commencer la soirée. Technicienne. Play. Ça devrait marcher. Est-ce que ça vaut la peine de fermer les lumières ou ça va? Ça va? Maman s'est fait taper. Elle s'est fait battre par la police avec son copain. Elle s'est fait incarcérer 14 heures de temps. Il y avait un homme qui la retenait à terre avec son pied. Puis il était quatre autres à frapper dessus. Elle s'est retrouvée avec une côte fêlée. On a capoté quand on sortit de la craque puis le poivre. On n'avait pas du tout été agressif ou violent. Là, ouais. Il nous tombait le bras très fort, il répétait dans l'oreille en 17 ans que c'est plus être que c'était 6. Puis on a passé deux jours en prison. On est comme des conditions de bébé en sortant. Cassé la tête directement contre une voiture. Il y avait un camarade qui nous a fait en fait tirer à la tombe, dans la tête. En fait, son œil sortait de son crâne. Tandis que j'étais au sol, mon tabassé pendant quand même quelques minutes sur les jambes et le bras. Et ça s'est suivi qu'un 14 heures à l'hôpital et c'était. Une hémorragie interne, en fait, qui était perte de la sensibilité de mes deux doigts. Dans le fond, ben, j'ai été emprisonné de, je pense, à peu près 7 heures le soir jusqu'à 5 heures le matin. Il y avait 6 policiers, on était à peu près 12. Puis, du moment où on a mis le pied dans le métro, ils se sont mis à nous suivre. J'avais un carré d'eau sur le tour de la quarantaine, puis ils nous ont collés sur le bord de la 40.
pour aucune raison. On était quatre dans le tour, on a demandé pourquoi, ils nous ont demandé de nous identifier, puis ils disaient, vous avez un carré rouge, c'est sûr que vous allez en manifestation, c'est sûr que vous êtes des cancers, etc. Puis on s'est fait fouiller tout le tour, toute nuit, par des chiens, il y avait même des chiens. Vous aussi, vous avez été arrêté, fouillé, interrogé, insulté ou brutalisé par la police? On vous a refusé l'accès à un lieu public où vous avez été réprimandé pour avoir porté le carré rouge. On vous a empêché d'exprimer votre opinion au travail ou ailleurs. Vous avez été traité d'une façon différente ou discriminante en raison de vos opinions politiques. Des milliers d'étudiants, d'étudiantes, de citoyens et de citoyennes ont des histoires troublantes à raconter et nous voulons les entendre. Nous avons déjà plusieurs témoignages, mais pour avoir une vue d'ensemble de la répression et du profilage politique, il nous en faut beaucoup plus. Je pense pas qu'il y a assez de témoignages, mais c'est vraiment difficile. Si je le fais, ben, si je veux que le monde le fasse, c'est quand même quelque chose. Chaque expérience compte, puis c'est important justement d'en parler, parce qu'il n'y a pas juste les coups de matraque puis se faire regarder, c'est obligé de s'être clair. De ne pas en parler, de ne rien faire avec ça, on légitimise ça. On laisse une place à la répression, on la laisse vivre, puis on lui donne un avenir. Transmettez-nous votre témoignage par écrit à témoignage@ligue-des-droits.ca et consultez l'aide-mémoire pour plus de détails afin de savoir quoi y inclure. La grève étudiante est terminée, mais l'action politique doit continuer parce que la répression n'a pas sa place au Québec. Merci. En fait, grâce à ce travail-là puis au travail de l'équipe, ils ont réussi à recueillir plus de 300 témoignages directs, donc filmés, puis aussi 100 témoignages qui ont été analysés, qui étaient des témoignages publics en ligne. Un organisme qui a contribué à ça, c'est le comité légal de la CIC, qui font bien d'autres choses, notamment recueillir des collectes de fonds, faire des assistances juridiques et tout. Puis il y a Émilie Ligeli, présente ici même, qui va venir parler de ce processus-là. Accueillez-la bien chaleureusement, s'il vous plaît. Alors, c'est rare que j'écris des trucs quand je parle, mais là, est-ce qu'on m'entend? Oui, en fait, quand même. Je pense à ça porte. C'est rare que j'écris des trucs pour préparer quand je parle publiquement, mais j'ai senti que c'était nécessaire aujourd'hui. Alors voilà. La mémoire du pouvoir ne se souvient pas. Elle absout. Elle reconnaît la perpétuation des privilèges par héritage, permet aux oppresseurs de jouir de l'impunité des crimes qu'ils commettent et trouve des alibis à leur discours qui déguisent la vérité avec une admirable sincérité. J'aurais bien aimé écrire cette phrase, mais c'est d'Eduardo Galeano, qui commentait les veines ouvertes de la langue latine. Ça m'a beaucoup inspirée pour savoir qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais surtout sur réfléchir un peu sur ce que je considérais comme témoin, comme actrice de la grève, mais comme témoin aussi, comme juriste, de ce qui constitue notre devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est un concept qui a été élaboré après la Deuxième Guerre mondiale, où on considérait que les États qui avaient pris part à des massacres, des génocides XY, devaient, en tant qu'État, se responsabiliser et assurer un certain devoir de mémoire pour ce qui se passait. Malheureusement, moi, je pense que ce qu'on propose, qui est encore plus important aujourd'hui, puis ce qu'on a essayé de faire avec ce projet-ci, c'est de proposer un devoir de mémoire collectif, d'essayer de prendre la responsabilité par nous-mêmes et pour nous-mêmes, de se constituer un bagage collectif, de s'approprier le concept de devoir de mémoire pour en faire quelque chose qui nous appartient. Parce que y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront de glorifier les chasseurs. Et je pense que c'est un peu de ça qu'on parle. C'est que tant qu'on laisse à l'autre le devoir, tant qu'on laisse aux médias, tant qu'on laisse à l'État le devoir de commémoration, bien nécessairement ça va aller à l'encontre de ce pourquoi on s'est battu et ce pourquoi je pense qu'on se bat encore. Il y a plusieurs projets qui sont nés dans les derniers mois, des livres, des superbes livres, entre autres, qui ont été publiés, d'autres qui vont venir.
Et avec tout le mérite que ces bouquins-là ont eu, je pense que la démarche qui a été propre à notre projet, c'est vraiment d'aller faire parler les gens. Et surprenamment, malgré que les gens soient souvent très volubiles, c'était pas une tâche facile de les pousser, de les inviter à s'exprimer sur la répression qu'ils ont vécue d'un point de vue super individuel. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'appel. Initialement, le projet était né un peu de manière séparée. Le comité légal, on avait lancé un appel. La Ligue avait fait de même. Le COBP avait fait de même. Et finalement, c'est à l'été 2012, début de l'été, qu'on a choisi de se réunir pour discuter un peu des initiatives de chaque organisation. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer un appel conjoint, appel qui a été lancé entre autres avec la vidéo que vous avez vue, pour essayer d'aller chercher davantage de témoignages. Comme le disait tout à l'heure Maxence, on a recueilli, je pense, 384 témoignages qui ont été analysés directement dans le rapport. Il y a des témoignages qu'on a reçus directement, des témoignages qu'on a filmés, d'autres témoignages qui étaient dans la sphère publique, des trucs qui avaient été partagés sur les réseaux sociaux, qu'on a inclus aussi dans notre green analyse. Et l'objectif vraiment, c'était de passer d'une analyse individualiste pour essayer d'en faire un tout commun, pour être capable de parler de répression policière, de répression judiciaire, de brutalité, de traumatisme psychologique, de discrimination pour le port du carré rouge, pour essayer de commencer aussi à construire quelque chose que je pense, pour moi, pour la Ligue aussi, qui est particulièrement important, c'est de commencer à parler ouvertement de profilage politique sur la base des convictions. Et on a été, dans la dernière année particulièrement, à l'affût du profilage politique, entre autres fait ouvertement par le SPVM avec l'escouade Gamma, qui existe plus ou moins formellement, informellement aujourd'hui, qui est le guet des activités marginales et anarchistes. J'aime ça être et marginale et anarchiste, mais et bref, l'idée, c'était aussi de transposer dans la sphère publique une discussion sur le profilage politique qui, je pense, est un apport de ce projet-ci. Nos objectifs, pour moi, et je pense que collectivement, c'est ce qu'on a considéré, que c'était vraiment l'idée de raconter nos histoires. Que ça serve comme un outil de mémoire, mais un outil aussi, ce que j'ai trouvé intéressant en parlant avec différents camarades qui avaient donné leur témoignage, un outil pour commencer à laisser aller certaines choses, puis utiliser d'autres choses pour, un petit peu dans un processus d'empowerment, pour se l'approprier aussi, pour essayer d'exclure le traumatisme, puis d'inclure l'action là-dedans. Parce que je pense que c'est important de le nommer, puis pour moi, la brutalité policière, son objectif concret, c'est nécessairement d'individualiser la menace, de faire que les gens se sentent seuls devant la police, par exemple, de démobiliser nécessairement, d'instaurer la peur. Et je pense que quand on commence à avoir des discussions collectives sur les enjeux qui nous touchent, bien, c'est une manière aussi de dénoncer le fait qu'on est tanné d'avoir peur, t'sais. Puis c'est pas vrai qu'on va continuer à avoir peur. Puis c'est correct d'avoir peur parce qu'il y a un instinct de survie aussi quand t'as 25 centimètres qui te rentrent dedans. Mais en même temps, je pense que c'est important de démystifier un petit peu de cette peur-là. Puis essayer de reconquérir notre pouvoir qu'on a sur l'humiliation qu'on a pu vivre, les blessures physiques, les traumatismes psychologiques, les séquelles pour certains camarades, les poursuites judiciaires dont il y a beaucoup de camarades qui doivent gérer nécessairement. Et je pense que quand on a commencé à parler du projet, c'était clair pour nous comme organisation, pour la C, pour la Ligue, pour la JP, qu'on avait, devant le constat assez dramatique de la réalité, une responsabilité, puis aussi une capacité par rapport à nos propres forces, puis une légitimité aussi pour le faire. On se disait qu'en tant qu'organisation qui avait quand même été et très partie prenante, par exemple le comité légal de la C, la Ligue qui va avoir 50 ans cette année, qui est quand même bien installée au Québec, la JP, une nouvelle organisation qui dérange et qui fait du bruit et qu'on aime. Alors c'était vraiment dans cet objectif-là de pouvoir catalyser quelque chose de collectif. C'est sûr qu'il y a beaucoup de vidéos, par exemple, YouTube fourmille là, de vidéos sur la brutalité, mais je pense que l'idée, c'était de dépasser un petit peu la constatation pour essayer d'en tirer une analyse juridique, en avoir un testament écrit qui va rester avec nous, en faire une dénonciation publique à travers la publication du rapport et un lancement comme aujourd'hui, par exemple, mais aussi, surtout, d'en faire un appel à l'action. Parce que je pense que ce qui est le plus important quand on est victime de répression, quand on est victime de brutalité policière, c'est de garder le cap sur notre objectif de continuer à être des acteurs et des actrices de changement.
pour ceux qui me connaissent plus personnellement, vous saurez que je suis pas une grosse fan de la théorie du grand soir et dans la grande révolution et nécessairement une révolution active où l'histoire nous absoudra. Et je pense qu'il faut qu'on construise notre histoire, il faut qu'on construise nous-mêmes et collectivement notre histoire, qu'on se l'approprie cette histoire-là. Il ne faut pas qu'on attende qu'une avant-garde révolutionnaire nous permette de mener à des changements et que l'histoire, après ça, nous absout des gestes qu'on a reposés. Alors, je pense que c'est à nous aujourd'hui d'écrire notre histoire ensemble, d'assumer aussi collectivement notre devoir de mémoire et ensemble de se rappeler pourquoi on choisit de faire ces choses-là. Je pense que la vidéo le montre bien, c'est jamais facile de prendre la parole pour parler de répression, mais je pense qu'on a une responsabilité là-dedans. Parce que nécessairement, si nous on le fait pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Puis j'ai trouvé une autre, j'aime beaucoup Galeano, vous allez dire, là, mais je vais vous laisser sur ça. C'est une citation merveilleuse qui dit « On peut brûler, mutiler, abrutir, expurger les traces du passé, mais la mémoire, lorsqu'elle reste vivante, incite à continuer plutôt qu'à la contempler. Mm-hmm. » Comité légal de la classe, donc de l'AC. Ils ont fait un travail époustouflant pendant la grève. Fait que merci. Ah, le verre, c'est important. Mais là, on vient de remercier un groupe qui a travaillé en tabarouette pendant la grève, mais il y en a un autre qu'on va inviter sur scène qui était bien actif dans les derniers jours, les dernières semaines, contre le règlement P6. Donc, vous étiez beaucoup dans la rue dans les dernières semaines, je suis certaine. Puis, la JP, avec d'autres organismes, bien sûr, mais ils ont travaillé énormément sur la contestation de ce règlement-là. Donc, j'ai la joie d'inviter Marie-Claude Saint-Amand de l'Association des juristes progressistes. Alors moi, contrairement à Émilie, j'étais habituée de travailler avec quelque chose comme note, alors j'ai pas changé aujourd'hui ma façon de faire. Alors, mais merci beaucoup d'être venue aujourd'hui pour le lancement. On est vraiment contents que ça intéresse beaucoup, beaucoup de personnes. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont voulu donner leur témoignage, qui sont venues dans les derniers mois, qui ont bâti, dans le fond, ce rapport-là avec nous. Et moi, ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on retrouve dans ce rapport-là. Alors, je pense que ce qui est important de remarquer, puis vous allez voir quand vous allez regarder le rapport, c'est vraiment constater, et on l'a mis à la fin, c'est une des plus grandes vagues d'arrestations au Québec. 2012, ça a vraiment été une vague d'arrestations massive dans l'histoire du Québec. Et c'est aussi la première grande judiciarisation d'un conflit étudiant. C'est la première fois que le politique s'est rendu au niveau du judiciaire dans le cadre d'un conflit étudiant, dans cette ampleur-là, bien entendu. Ça avait existé un peu auparavant, mais vraiment, c'est la première fois qu'on a vu ça. Alors, dans le rapport, vous allez voir, on a séparé par thème. Le premier thème qu'on a traité, c'est la brutalité policière. Alors, ce que vous allez vous constater à la lecture du rapport, c'est des témoignages très choquants d'arrestations, soit individuelles ou massives. Et ce que l'on remarque, c'est que des personnes ont été ciblées pour être arrêtées de façon préventive ou qu'on lui aura donné des constats d'infraction à répétition à ces personnes-là pour les empêcher d'exercer leur droit de manifester. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'exemples de violences psychologiques, de violences verbales et même de violences physiques que l'on retrouve. Et ce qu'on constate, c'est que malgré le nombre effarant de plaintes qui ont été faites en 2012, on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des plaintes au commissaire dans la déontologie policière. La plupart, ils n'ont même pas eu d'enquête qui ont été faites. Alors vraiment, là, on remarque que tous les incidents de brutalité policière restent impunis malgré le fait que c'est totalement inacceptable. Ensuite, on remarque aussi l'utilisation des d'armes de dispersion qui ont vraiment été utilisées de façon grandissante en 2012. Et ça aussi, bien sûr, ça cause des blessures. Ça cause aussi une façon de pouvoir encercler les gens et pouvoir les arrêter massivement. Aussi, ce qu'on remarque dans le rapport, c'est qu'on a utilisé des dispositions législatives qui existaient pour mettre fin à des manifestations. On pense à l'utilisation de l'article 500.1 du Code de la sécurité routière, qui, selon nous, lorsqu'il a été adopté au début des années 2000, n'avait pas pour objet du tout de mettre fin à des manifestations. C'était vraiment pour
empêcher le blocage de route, mais maintenant il est utilisé par la police. Là, en fait, ce qu'on remarque à la lecture du rapport, c'est que les gens sont arrêtés. La police ne sait pas pourquoi. Des fois, donne une raison, des fois pas. Et à la fin, ils reçoivent un constat d'infraction. Et là, ça va être l'article 500.1. Ça peut être aussi des constats d'infraction selon certaines dispositions des règlements municipaux. Il y a aussi l'utilisation de l'article 31 du Code criminel où on parle vraiment d'arrestation préventive. On pense surtout à la journée du Grand Prix où les gens ont été vraiment pointés dans le métro à l'île Sainte-Hélène, qui ont été arrêtés et détenus pendant des longues heures. Et ça, pour prévenir, parce que l'article 31, dans le fond, qu'est-ce que ça dit? C'est lorsque la police pense que quelqu'un pourrait commettre un acte criminel, il peut arrêter préventivement ces personnes-là. Et on remarque qu'il y a vraiment une utilisation abusive de cet article-là. Ensuite, on ne peut pas passer sous silence la loi spéciale qui a été adoptée, qui décidait de mettre fin à la grève. Donc, lorsqu'on parle tantôt de l'utilisation, là, c'est vraiment le politique qui décide, première fois dans l'histoire du Québec pour les conflits étudiants, de mettre fin à une grève étudiante en utilisant une loi spéciale qui empêche les gens de manifester et qui oblige les enseignants à donner leur cours, peu importe le nombre des personnes qui vont être dans leur classe, ce qui peut contrevenir justement à leur droit de décider si oui ou non ils doivent donner leur cours. Alors, on sait que cette loi-là a été abrogée, on sait aussi que cette loi-là n'a pas été nécessairement utilisée dans le cadre de manifestations, mais ce qu'on remarque à la lecture sur le rapport, c'est que les policiers s'en servaient pour déclarer une manifestation illégale et aussi pour faire peur aux gens. Bon, on sait que ça a quand même donné l'occasion au mouvement des casseroles de parler, de dire la dissidence, mais quand même, c'est sûr que ça le fait peur à plusieurs personnes. On ne peut pas passer non plus sous silence les modifications qu'on a faites au règlement P6. On demande l'abrogation. Alors, ça a été seulement utilisé cette année, mais quand même, c'était vraiment une conséquence directe du conflit étudiant. Les dispositions anti-masques et le fait d'être sur un lieu, de soit se rassembler ou de marcher. Il faut donner notre itinéraire, il faut donner notre lieu de rassemblement lorsqu'on est plus que 3 personnes. Alors vraiment, on est dans un milieu où il faut absolument... ça contrevient clairement aux droits fondamentaux. Lorsque je parlais aussi de la judicialisation du conflit, 50 injonctions ont été déposées en environ 2 mois l'année dernière. On se souviendra que les injonctions étaient faites par des étudiants dissidents qui voulaient casser une décision qui avait été prise démocratiquement par les associations étudiantes et qui a vraiment été prise d'assaut, si on veut, par l'appareil judiciaire qui a décidé, au détriment des droits collectifs, d'appliquer des droits individuels à ces étudiants-là. Et qui s'est soldé, bien entendu, par l'outrage au tribunal de Gabriel Nadeau-Dubois. Vous savez que cette décision-là est en appel, alors on espère que la Cour d'appel changera la décision. Mais clairement, on est à l'apogée de la politisation du pouvoir judiciaire, puis c'est vraiment une limite à la liberté d'expression. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose que l'on doit dénoncer. Alors, ça fait vraiment le tour pour moi. Je vais laisser ma collègue de la Ligue parler du reste du rapport. Je vous remercie beaucoup. Merci. Excellent. Donc, j'en profiterai pour saluer le travail de Mme Cybèle Ataougoul, qui est juste ici, qui est présidente de la JP, puis qu'on a travaillé comme des fous autour d'une table pour ce rapport-là. Fait que, excellent. Puis on va abréger PC. Merci. Prochaine invitée, ça va être Mme Lucie Lemonde, qui est sur le CA de la Ligue des droits et libertés, puis qui a été la coordonnatrice acharnée de ce rapport-là. Donc, on en a pris des bons déjeuners chez elle pour finir ce rapport-là. Donc, elle va vous parler des conclusions, des recommandations du rapport. On a beaucoup parlé de P6. Je pense que pendant toute la grève et encore maintenant, on s'est servi des règlements municipaux lors de manifestations pacifiques pour judiciariser les manifestants, leur faire peur, leur décourager de retourner manifester, en les arrêtant, en les insultant, en les brutalisant, en les détenant de longues heures, en les fouillant, en leur distribuant des amendes salées.
Je pense que le rapport démontre que aussi qu'en employant de façon massive et indiscriminée diverses armes, des gaz, des balles de plastique, des grenades assourdissantes, des chevaux, des chiens, etc., les autorités policières ont porté atteinte non seulement à la liberté d'expression, au droit de réunion pacifique, mais aussi à l'intégrité et à la sécurité de la personne. En procédant à des arrestations aussi nombreuses, en distribuant des constats d'infraction, en détenant les gens préventivement, on a encore une fois violé leur liberté d'expression, réunion pacifique, mais aussi on a fait du profilage discriminatoire à l'endroit des manifestants en raison de leurs convictions politiques. C'est pourquoi je pense qu'il est très important, on a parlé beaucoup de devoirs de mémoire, mais moi ce que j'obtiens le plus de tout ça, c'est que c'est comme, on regardait ces images-là à TV, là, d'avoir des policiers qui brutalisaient des manifestants qui étaient étendus à terre, puis c'est comme si on trouve ça normal, quelque part, c'est rendu dans la normalité des choses, il faut qu'on continue à s'insurger, à ne pas accepter ça, que le droit de manifester soit sous censure policière, c'est inacceptable, et c'est pire que jamais, je pense. Donc, il faut vraiment que ces choses-là ne restent pas incriminées. Qu'on fasse enquête, que ça reste pas impuni, que toute cette violence verbale injurieuse, il y a tout un chapitre du rapport qui porte sur les sentiments et, éprouvés par les personnes qui ont été soit témoins, soit victimes de cette brutalité. Là, et c'est vraiment là, c'est très troublant à lire. Et c'est aussi une chose qui revient souvent, c'est que les gens disent avoir perdu complètement confiance en la police et avoir peur de la police. C'est pas normal qu'on ait peur de la police, qu'on ait peur d'aller manifester. Alors, les recommandations que l'on fait, les trois organismes à l'issue du rapport, c'est premièrement, on demande qu'il y ait abandon des accusations qui ont été portées en vertu des règlements municipaux du Code de sécurité routière, ainsi que l'arrêt de toute procédure criminelle contre ceux et celles dont les droits ont été violés. On demande... On demande aussi, évidemment, la tenue d'une enquête publique sur les abus policiers, les arrestations massives, la violation des droits qui a eu lieu pendant la grève étudiante. On demande l'interdiction immédiate de l'usage des balles de plastique, des grenades assourdissantes et des armes à létalité étudiante. Donc, l'emploi d'armes dangereuses comme technique de contrôle de foule. On demande aussi et on interpelle la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour qu'elle fasse une enquête sur le profilage politique. On a parlé de Gamma tantôt, mais de façon plus générale, et des atteintes massives à la liberté d'expression au Québec. Parce que là, on a parlé du droit de manifester, mais je veux dire, il y a des gens qui ont été punis dans des écoles, dans des établissements scolaires, des profs, des étudiants. Alors donc, il y a comme une tendance encore là qu'on trouve ça comme une espèce de léthargie par rapport aux violations de la liberté d'expression. Donc, on interpelle la Commission des droits. On demande évidemment l'abrogation de P6 et de tous les autres règlements municipaux qui limitent le droit de manifester. On fait partie, les trois organismes, d'une coalition de 65 organismes qui demandent l'abolition de l'abrogation de P6. On demande aussi l'arrêt immédiat de l'utilisation de l'article 31 du Code criminel et de l'article 500.1 du Code de sécurité routière lors de manifestations. Et finalement, une autre demande que fait la Ligue depuis plusieurs années, qu'il y ait mis sur place d'un mécanisme civil, transparent et indépendant, chargé d'enquêter sur les interventions policières qui ont causé... Donc, qui ont causé la mort ou des blessures à des personnes, mais aussi qu'il ait le mandat, que cet organisme-là ait le mandat de faire des enquêtes systémiques sur des violations massives, comme ça s'est passé au printemps 2012. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Je pense que quand Mme Le Monde dit que ça a été une répression terrible, Mme Le Monde a énormément d'expérience en répression terrible. Donc, si elle nous dit que c'est quelque chose de grave, je pense qu'on peut la croire.
Puis, écoutez, moi, je suis ici aussi pour parler des gens qui travaillent dans l'ombre. Donc, tous ces étudiants qui ont passé des soirées, des nuits à résumer les témoignages, à les analyser, à les catégoriser ensemble pour essayer de faire du sens à travers ça. Donc, il faut qu'on les nomme, puis c'est important. Donc, on parle ici de Mme Cybèle Attagoul de la JP, Mélissa Beaulieu-Lucier, Marlie Bélanger, Nicolas Benoît-Gay, André Bourbeau, qui est par là-bas, du comité légal aussi, Dominique Boutin, Alia Chakridi, Marise Descaries-Déniaux, Nicole Filion de la Ligue, Véronique Fortin, qui a fait un travail incroyable pour plein de choses que personne ne voulait faire, comme les notes de votre page. Merci, Véro. Marjorie Gagnon, Émilie Joly, Lucie Lemonde, Michael Lessard, Guillaume Loisel-Boudreau, pardon, Guillaume, Tristan Ouimet-Savard qui a aussi fait un travail incroyable pour toute la section de sentiments puis de la perception des personnes arrêtées. Donc merci Tristan, Jacinthe Poisson, Marise Poisson, vous allez le dire. Arige Riani, Marie-Claude Saint-Amand de la JP. Donc merci beaucoup à tous ces gens-là. Puis, écoutez, il y a des photographes exceptionnels qui ont photographié la grève, puis ils ont été super de nous prêter leurs photos. On parle ici de Madoc, que vous connaissez, qui a fait des vidéos à tomber par terre pendant la grève, qui nous a prêté ses photos. Darren L, qui est par ici aussi, belle photo, et Sylvie Bellan, que j'ai vu aussi, je crois, tantôt. Donc, merci beaucoup. Ah oui, ah oui. Et Philippe, mon plaisir, oui, c'est vrai. Mon baiser, pardon. Et lui est arrivé à la fin. Je ne l'ai pas connu, malheureusement. Puis, écoutez, la dernière étape du rapport, ça a été nul autre que Moïse Marcoux-Chabot qui a fait le graphisme, mais aussi qui a révisé toutes nos fautes, toutes nos omissions et toutes nos... voilà. Donc, il a fait un travail extraordinaire en très, très, très peu de temps pour nous donner un produit fini qui est incroyable. Donc, il a mis en valeur notre travail, puis c'est quelque chose qui vaut de l'or. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir M. Moïse Marcoux-Chabot. Merci. Donc, je ne parlerai pas de mise en page, ça, vous pourrez la voir vous-même dans le rapport. En fait, j'aimerais lire deux extraits de livres. Donc, le premier, qui est le mot de présentation du livre « Le lundi de la matraque ». Un livre qui avait une démarche semblable à ce rapport-là, composé en 68, sur plusieurs mois, après ce fameux lundi, le fameux 24 juin 68, où des centaines de personnes ont été arrêtées, brutalisées, blessées par la police. C'était, à l'époque, la première sortie de la toute nouvelle brigade anti-émeute du SPVM, bon, avant qu'il s'appelle le SPVM, mais de la police de Montréal. Donc voilà, il y a des gens qui se sont rassemblés après cette nuit de brutalité pour rassembler des témoignages, les faire assermenter par un avocat et les rendre accessibles dans ce livre-là. Livre qui malheureusement est rendu très rare aujourd'hui, mais qui est à la Bibliothèque nationale, si ça vous intéresse. Donc les principales personnes qui ont rassemblé ces témoignages-là, c'était Paul Rose et Jacques Lanteau. Donc des noms qu'on connaît parce que probablement que la rage puis les sentiments de colère qui ont rassemblé dans ce livre-là a certainement eu un impact sur leur radicalisation puis sur les actions qu'ils ont posées dans les années qui ont suivi. Donc le mot de présentation du lundi de la matraque aurait sans doute pu être écrit à quelques différences près pour présenter le rapport de 2013. Le 24 juin 68 ne sera pas oublié. Cette nuit ne sera pas une autre de ces dates que nos historiens ne pourront reconstituer que difficilement dans 30 ou 50 ans, comme tant de hauts faits de l'histoire tragique du Québec, qui sont aujourd'hui enfouis dans les archives de l'oubli et inconnus de tous, mais qui pourtant, mis bout à bout, montrent à l'évidence que les Québécois ont toujours manifesté leur mécontentement et quelquefois leur colère à l'égard de ceux qui les méprisaient, les exploitaient ou les trahissaient. Et toujours, la répression a été violente, sanglante et quelquefois meurtrière. Ce petit livre est rempli de cette même violence, exercée par l'ordre établi, ou ses représentants, contre ceux qui ne sont pas d'accord, contre ceux qui veulent que ça change, ou qui veulent tout simplement manifester librement leurs idées. La soixantaine de témoignages ici consignés évoquent cette lutte pour manifester des idées politiques. D'un côté, vous aviez un homme et un régime qui avait des millions pour la publicité, l'organisation, les avions, les hélicoptères, les journaux, et de l'autre, des gens qui n'avaient rien que des cris, des chants, des slogans, des pancartes, des drapeaux, et qui pratiquaient la vraie démocratie, la libre expression de leurs idées.
Ce que ce livre tente de dire, quelquefois maladroitement, car il n'a pas été fait par les écrivains, c'est comment la brutalité s'est manifestée. Et de tout ça surgit une question. À quel degré dans la violence en sont arrivés les policiers de la ville de Montréal? Il ne s'agit pas ici d'un sadique, comme il y en a partout, ou d'un cas isolé, mais bien du comportement de certains groupes de policiers, en particulier au poste 4, 21 aujourd'hui. Nous n'en sommes pas encore aux gaz lacrymogènes, aux grenades asphyxiantes, aux barbelés et aux chars d'assaut, mais l'avilissement et l'humiliation subis par les inculpés sont les mêmes ici qu'ailleurs. Ce livre montre ce que notre police se croit permis de faire sans crainte de représailles graves. Il est important que tous le sachent et que chaque citoyen exige le respect de l'individu et de ses droits fondamentaux. J'aimerais poursuivre avec un poème, la lecture d'un poème qui sera sans doute maladroite parce que je ne suis pas un poète. Mais la lecture d'un poème de Gérald Godin, intitulé « Liberté surveillée », qui a écrit dans la foulée de la crise d'octobre. Donc, je conclure là-dessus en espérant que la période sombre de répression qu'on est en train de vivre, une répression politique, que de cette période-là subsiste plus longtemps, avec plus de portée et plus de vigueur, la force des mots, des images et des idées. Bien davantage que la violence et le mépris des armes. Des armes mises entre les mains d'exécutants, méprisants, qui oublient trop souvent ou choisissent d'oublier qu'on peut mettre son uniforme au vestiaire et conserver sa conscience quand même. Des exécutants au service d'un certain ordre, qui sans pouvoir ne survivrait pas. Donc, liberté surveillée, Gérald Godin. Quand les bulldozers d'octobre entraient dans les maisons à 5 heures du matin, quand les défenseurs des droits de l'homme étaient assis sur les genoux de la police à 5 heures du matin, quand les colombes portaient le fusil en bandoulière à 5 heures du matin, quand on demande à la liberté de montrer ses papiers à 5 heures du matin, il y avait ceux qui pleuraient en silence dans un coin de leur cellule. Il y avait ceux qui se ruaient sur les barreaux et que les gardiens traitaient de drogués. Il y avait ceux qui hurlaient de peur la nuit. Il y avait ceux qui jeûnaient depuis le début. Quand on fait trébucher la justice dans les maisons pas chauffées à 5 heures du matin, quand la raison d'État se met en marche à 5 heures du matin, il y en a qui sont devenus cicatrices à 5 heures du matin. Il y en a qui sont devenus frissons à 5 heures du matin. Il y a ceux qui ont oublié. Il y a ceux qui serrent encore les dents. Il y a ceux qui s'en sacrent. Il y a ceux qui veulent tuer. Merci Moïse. Ouais, en fait, on parle énormément de perte de confiance envers la police. Il y a aussi une perte de confiance envers la justice qui est plutôt généralisée. Il faut savoir qu'il y a une quantité de personnes qui est infiniment minime, qui ont accès à la justice par leur capital monétaire qu'ils ont, c'est une quantité de personnes encore plus infimes qui ont accès à la justice par des programmes sociaux qu'on coupe de plus en plus. Fait que là aussi, il y a de la répression. Puis la justice prend une connotation radicalement différente quand elle vient de la bouche des politiciens, des politiciennes qu'on déteste, tout comme les mots liberté, égalité. Puis présentement, j'ai l'honneur d'intégrer Laurence Elliott du groupe Mère en colère, en attendant le groupe Père en colère. C'est vraiment important de valoriser des groupes comme ça, c'est des espaces de solidarité primordiales, encore pour encourager une pérennité. C'est vraiment bien que des gens réfléchissent non pas à ce qu'ils aiment, mais à ce qu'ils devraient être. Fait que je les intègre. Laurence Elliott, merci. Pas habitué à prendre la parole tant que ça, là, alors soyez indulgents, habitués à marcher dans les rues et à marcher à vos côtés. Mère en colère et solidaire est née presque d'une erreur informatique, je vous dirais. En fait, beaucoup de mères ensemble, on se parlait et on regardait des images à la télé et on n'en revenait pas de ce qu'on voyait. Des mères nous disaient « Moi, je ne sais pas quand est-ce que mon fils va revenir ce soir, je ne sais pas dans quel état il va revenir. » Ce qu'on vivait, c'était une profonde impuissance, un profond désir
de dire, de hurler et de dire, on a élevé nos enfants, aujourd'hui ils sont dans un combat, dans une lutte qu'on estime totalement légitime et ben, faudrait qu'on soit à leur côté. Alors on a décidé d'être à leur côté. On a décidé d'être solidaires, donc d'être toujours... De pas être l'initiatrice forcément de, des actions, mais d'être toujours en soutien de ce que la, les étudiants et la lutte étudiante amenaient. On a aussi initié quelques actions, mais surtout on a vu, entendu, compris comment un système policier pouvait broyer une idéologie, une jeunesse, pouvait broyer... un message qui était fort, un message qui était très argumenté. Alors, je vous dirais que ça nous a bouleversés et enthousiasmés en même temps d'être dans la rue avec vous. On a essayé d'être là le plus possible, le plus souvent possible. Puis il y a des moments où on a eu peur. Il y a des moments où on n'était plus capable parce que la peur était trop grande. Alors on a décidé de témoigner le mieux qu'on pouvait, de dire ce qu'on avait vu, ce qu'on avait entendu, les abus soir après soir, jour après jour. Puis on a décidé de se dire, ben, Mères en colère, c'est des mères qui se réunissent ensemble, qui ont envie de continuer à être aux côtés de leurs enfants dans leur lutte, mais c'est aussi des mères qui sont là quand ils sont arrêtés, leurs enfants, quand ils sont blessés, quand il y a des jugements sévères qui leur tombent dessus. Et aujourd'hui, Mères en colère, c'est toujours un groupe. Il y a à peu près 1600 mères qui se sont reconnues là-dedans, dans ce qu'on amenait. Et ces mères-là, aujourd'hui, leur rôle, c'est vraiment d'essayer d'accompagner le plus possible les mères des arrêtés dans les palais de justice et dans les jugements qui commencent à tomber. On sera encore là et on est encore là. On appuie évidemment l'enquête publique et indépendante. On appuie évidemment l'association des juristes et toutes les associations et tous les groupes contre P6. Alors, partout où il y aura à se battre contre cette répression qui n'a pas de nom, et on sera là, on sera encore là, on sera toujours là. Alors aujourd'hui, on vous le dit, si vous êtes un jeune qui n'avait pas forcément la possibilité d'avoir une mère, un père qui l'accompagne, on est là. Ouais, merci surtout pour la dernière partie. Ça peut être difficile les soupers de famille après 7 mois de grève. Non, mais sans blague, il y a même des familles qui vont jusqu'à renier des personnes et nombreuses sont ces familles. C'est plutôt désastreux, mais bon. Il y en a d'autres qui en adoptent. Ouais, puis tu sais, c'est important aussi de savoir de rester solidaire. Il y a vraiment des gens qui vivent la pression constante, que ce soit des personnes qui ont des charges, des conditions encore judiciaires, ça complique énormément une vie, ou que ce soit des personnes qui militent encore activement, qui ont peur voire de se faire suivre le soir ou de parce que c'est vraiment une oppression constante que beaucoup de monde subissent. Donc restez solidaires les uns les unes envers les autres. C'est ça. Ce qui m'apporte à parler du groupe Prof contre la hausse. Groupe qui a été créé en 2011 par des professeurs de Cégep qui avaient créé un groupe Facebook, puis qui a eu une recrudescence en mars 2012 lors du mouvement étudiant. Donc j'accueillerai Sandrine Russie qui va venir vous parler. Merci. J'ai hésité jusqu'à la dernière minute, je dirais, jusqu'à tout à l'heure, sur le temps, parce qu'on m'a contactée pour que je fasse un témoignage. Et pour moi,
une intello qui reçoit des témoignages de la violence de divers ordres. Un témoignage, c'est personnel, et c'est intime, et c'est au jeu, et bon. Et puis du coup, j'ai dit, bon ben voilà, on va faire ça comme ça, et parce qu'en plus, qui suis-je dans Prof contre la honte, je suis une des personnes impliquées dans ce mouvement-là qui n'est pas, qui n'a pas de porte-parole, même si des fois on pense qu'on a une tête pensante. Mais je ne représente pas Prof contre la honte, je ne représente que moi-même, et... En plus, j'ai vraiment le sentiment que j'ai pas du tout une approche réflexive sur ce mouvement-là, parce qu'on est encore dedans, il y a plein de monde qui parle au passé, et qui sont, tu sais, même Émilie, tu parles de devoirs de mémoire et tout, mais on est dedans, quoi. C'est pas fini, ça continue. Je c'est pas pour dire qu'on m'a tort de faire ça, c'est juste pour dire que moi j'ai pas de recul du tout, et que en plus j'avais l'impression tu comprends ce que je veux dire, hein? Okay. J'avais l'impression que on avait pris du galon, enfin moi je trouvais que j'avais pris du galon par rapport à la violence policière, à la brutalité qu'on vivait dans les manifs. Je trouvais que vraiment, depuis 2001 à Québec, j'avais pas vécu ce qu'on a vécu l'année dernière, et je trouvais que plus ça allait, plus on rétorquait, plus on était, tu sais, on se laissait pas faire comme des moutons, même si on sourit, mais là je trouve que depuis 2 mois, 3 mois, c'est autre chose. Il y a une espèce de broyeur là qui s'est mis en place et qui fait que c'est difficile de rester, d'être réactif. Je sais pas comment expliquer. Je voulais aussi être porteuse d'espoir et tout ça, mais c'est difficile parce que ça frappe dur quand même. Et j'aurais pu aussi témoigner en tant que mère en colère. Parce que cette répression, là, cette année, elle a frappé aussi ma fille qui a 15 ans et qui a mis le pied dans l'arène. Et ça, une arrestation brutale. J'ai beau pas être essentialiste, avoir une analyse féministe matérialiste et tout, mais là, ça vient chercher quand même quelque chose de particulier. Et c'est très délicat à gérer comme équilibre tout ça, parce que justement... Et c'est là la dimension, parce que j'avais écrit toutes sortes de trucs politiques, machin, mais je ne dirais pas là, vous savez mieux que moi tout ce qui se passe, mais c'est vraiment l'équilibre au niveau de la vie personnelle, la vie comme prof et tout, ça va, on gère, je veux dire, on a créé des liens avec les camarades étudiants, c'est fantastique, moi je suis en études féministes, en sociaux, à l'UQAM, que dire de ces filles que je vois lutter, que je vois se faire rentrer dedans par leurs camarades, par la police, par les institutions. Mais au niveau de la vie personnelle, je vois aussi, et là c'est un avantage d'être immigrante, parce que justement t'as pas les soupers de famille, l'action de grâce et tout ça, donc tranquille, mais je vois l'impact dans la vie personnelle des gens, pour ma part, ça se situe beaucoup chez les amis. T'sais. Alors donc, on a la peur au ventre quand on va manifester. La peur, l'angoisse, elle a tendance à disparaître quand on arrive en famille, hein, que ce soit à la mer à boire, avec les profs contre la hausse, que ce soit à la place Émile Gamelin sur le terrain et tout. Mais dans la famille, là, ça, et dans les cercles proches, ça a des impacts que je ne soupçonnais pas, moi. Et maintenant, il y a une indifférence généralisée dans la population, qui se ressent aussi dans les plus petits cercles qu'on sentait pas avant, enfin moi que je sentais pas avant, et qui fait que c'est là où l'angoisse elle persiste, parce que moi on est plusieurs, on discutait de ça sur Facebook il y a pas longtemps, de se demander mais comment ça se fait que le monde, ils ont pillé leurs casseroles, qu'ils étaient dans la rue, il y avait des dizaines de milliers de gens comme ça, de façon spontanée, tout ça, et puis que maintenant, l'application 500.1, les coups de matraque, l'injustice, l'impunité des flics, P6, tout ça, mais ça dérange personne à part nous, c'est quoi? On est quoi, 200 à trouver ça problématique? Alors, c'est là où mon discours n'est pas du tout porteur d'espoir, quoi. Mais en même temps, ouais, c'est ça qui m'habite en ce moment, qui fait que je pense qu'on a,
on a besoin de vraiment de serrer les coudes. Je sais pas si c'est pour ça que j'ai une tendinite, mais je pense que c'est un besoin là de faire le ménage de tout ce qui est. Enfin, je veux dire, moi, ça fait longtemps que j'ai banni Martineau et compagnie de ma vie, là, mais tu sais, même les gens qui sont juste comme indifférents et qu'ils savent pas faire la différence, c'est quoi P3, P4, P5, P6 Non, c'est pas genre des étages d'un stationnement, là, c'est P6, et c'est ça qui fait qu'on met un pied dans la rue et on a 637 balles d'amende, quoi. Donc, je voulais. Et puis vraiment, tu sais, j'ai Suzanne en face de moi, qui est une mère en colère, et. Cette angoisse, non, en fait, je ne parlerai pas de ça parce qu'on va rentrer dans l'émotion là, à cause de son fils, ou grâce à son fils, enfin. Mais quand on a des enfants qui vont être dans le système judiciaire, on est un petit peu angoissé, non? Mais ce que je voulais dire, voilà, au niveau analytique, ce qui me semble super important, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que. Parce que évidemment que quand ils voient de la brutalité policière, franche, directe, physique, etc., les gens sont quand même assez révoltés. Mais ce qui est très difficile pour le monde extérieur de comprendre, c'est tout l'impact de cette violence sournoise, invisible, indirecte, la violence que en études féministes on appelle systémique ou quoi. C'est cette violence-là qui fait que ça nous bouffe et que on se sent impuissant parce qu'on a vraiment cette bulldozer patriarcal, néolibéral, raciste. Tout ce que tu veux qui risque de nous anéantir si justement on n'arrive pas à préserver cette solidarité, cette bulle là ici qui est un petit peu plus grande parfois, un peu plus petite ailleurs, mais qui vraiment est comme une bulle d'oxygène, enfin pour moi en tout cas, et dont je vous remercie. Merci. Merci. C'est dur de passer après ça. En fait, là, je suis ici pour vous inviter à apprécier la pause qui s'en vient. On va avoir de la musique live autour de nous. Donc, il y a des musiciens cachés autour de vous qui vont se mettre à jouer. Attendez, c'est une pause. C'est pas la fin du 5 à 7. On a des gens qui vont venir au micro, très, très intéressants. Mais en fait, ce qu'on veut faire après cette pause musicale-là, c'est vous ouvrir le micro. Donc, en revenant des 2-3 chansons qui vont jouer, prenez le temps pour y réfléchir. Est-ce que vous avez envie de venir au micro dire quelque chose? La seule règle, ça va être d'essayer de tenir ça à une minute ou deux, parce que ça peut devenir long, on le sait. Donc, essayez de vous autocontrôler. Puis, ça va être un micro ouvert où on va avoir des invités très spéciaux. En particulier, je vous avertis, le chef de police, Yann Lafrenière, va venir nous parler. Donc, je vous promets, je vous le jure, si vous partez, vous allez manquer ça. OK? Fait que là, c'est du sérieux. Appréciez la musique, réfléchissez à votre message. Puis, allez vous acheter une bière, surtout parce que le Saint-Cyboire nous reçoit ici gratuitement ce soir. Donc, on les aime. J'en profite aussi pour remercier l'équipe de travail social du cours Mobilisation et Action collective qui ont organisé le lancement ce soir. Mon Dieu, quelle horreur! J'allais oublier de présenter le Brass Band, parce que c'est pas n'importe qui, c'est le Brass Band de grève que vous avez entendu dans les manifs. Ils se sont déplacés avec leurs instruments, ils vont sortir ça, ça va être magnifique. Fait que profitez-en, puis revenez dans environ une dizaine de minutes, ça va? Thank you.
bonsoir. Merci beaucoup de bien jouer. En fait, je vais introduire les micros ouverts, tout en rappelant qu'un micro médiatique total et infini et absolu, omniscient, etc., intelligent, sur les rapports ce soir utilisés ici. Donc, les médias, s'il vous plaît, fermez-vous la gueule. Sur ce, je vais introduire les micros ouverts. Vous sentez-vous vraiment libre de parler de répression, répression totale pendant ailleurs, que ce soit maintenant, après, pendant, au futur, etc., etc. Pour commencer avec les micros ouverts, on a Christian Nadeau ici qui va introduire les micros ouverts. Donc, sentez-vous libre de venir parler par la suite. Merci beaucoup. C'est le moment le plus difficile pour parler puisque les gens sont moins présents. On a dit 2 minutes, donc je vais le faire en 2 minutes. Écoutez, 1 minute parce que je vais le faire en 2 minutes. Ok, il y a juste 2 choses que je voudrais dire qui commencent par en fait des mots qui ont les mêmes consonances. Premier, c'est l'intelligence. Il me semble que des documents comme celui qui ont été produits sont extrêmement importants, non seulement pour la question de la mémoire, mais aussi pour l'intelligence de ce qui s'est produit. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en face de nous, il y a des gens très imbéciles, ça c'est vrai, mais il y a aussi une autre type d'intelligence, une intelligence qui est en train de saccager nos institutions publiques, et ça, il faut en être très conscient. C'est pas comme si on avait affaire simplement à des imbéciles, avec des gros bras ou de la force brutale. La brutalité policière, en fait, n'est que l'instrument d'une autre intelligence contre laquelle notre intelligence doit combattre. Autre chose, c'est le mot indifférence. Là, ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais il me semble aussi que une des grandes armes de nos adversaires, essentiellement, c'est l'indifférence. Et cette indifférence, elle est extrêmement brutale, parce qu'elle ignore ce qui s'est passé, elle ignore volontairement, elle l'efface, elle l'éradique, elle fait en sorte que ça dérange, c'est quelque chose qui ne doit pas être vu. Et ça, je l'ai vu, en tout cas, je voulais saluer le courage des étudiants, je voulais saluer le courage de tous ceux qui sont impliqués, parce que il y a un geste que j'ai fait pendant la grève et qu'on m'a beaucoup reproché, parce qu'on trouvait ça assez caricatural, on trouvait ça je suis en train de passer en 2 minutes, on trouvait ça exagéré, etc. Puis pourtant ce geste, je suis convaincu que plusieurs d'entre vous peuvent le faire, parce qu'il est extrêmement important, puis il rappelle que... Éliminant ceux qui étaient là, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé, qui d'entre vous sait ce qui s'est vraiment passé? Non, hein? Qu'est-ce que les médias ont rapporté? Ils ont essayé de prendre le pont, cette arrestation. Un autre média a rapporté, ils ont bloqué le terminus de Longueuil. Excusez, mais c'est de la grosse bullshit, parce que c'est pas ça, pas tout ce qui s'est passé, mais les médias ne le rapportent pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des G.I. Joe, la SQ, la police de Longueuil, qui ont bloqué tous les coins de rue, nous forçant à tourner en rond autour du métro. C'est ça le droit de manifester à Longueuil. Tourne en rond autour du métro. Donc, malheureusement, la répression contre le droit de manifester, la répression policière, c'est encore d'actualité, c'est pas juste un sujet de mémoire, on le subit encore aujourd'hui. On le voit aussi avec T6, qui est rendu un sujet, un domaine, bon, c'est rendu un cheval de bataille, la T6, mais en arrière de ça, c'est la répression, en réalité, qui parle. Donc, malheureusement, malgré les beaux rapports qu'on a, ben, le combat n'y est pas fini. Je vais me permettre de passer la parole à Benoît qui aurait une petite annonce à vous faire, justement à propos de T6. Tout le monde ici qui sont fait pris dans une souricière. Est-ce que c'était le fun? Moi, c'était le fun. Les policiers voulaient qu'on était complètement déprimés. Mais est-ce qu'on était déprimés? Fuck those guys! On avait du fun, on chantait, on dansait, c'était le fun. On disait le gros fuck you cop. Puis on pensait, on avait un groupe, on était un collectif, on se disait, hey, c'était le fun d'être dans une souricière. Wow!
c'était fun. On va former un collectif. On va s'appeler les souris fières. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une action. Ça va être l'action d'une auto-souricière. For my English friends, we're gonna self-kettle. We're gonna fucking surround ourselves. Une auto-souricière. On va s'encercler, puis on va avoir du fun. On place des spectacles le 11 mai. Ça se peut-tu? Oui! C'est bizarre, hein? Ça fait aucun sens. Mais imagine-toi qu'on a 1000 personnes. On s'encercle. Puis on a des gens du cercle. On a la cuisine du peuple. On a le foot dans le bombs. On a du monde qui chante la chorale du peuple. On a des enfants. On a des jeunes. On a des années. On fait le party. Puis on saute aux souricières. Des matraques! Des matraques! Qui sont des comme spaghetti de piscine. Ah, oui, oui, oui. On t'invite à soigner à nous autres. Yeah! Mais là, si la police rentre puis fait une souricière, on va être prêt. Ça va être pas mal absurde. Hein? Ça va être bizarre. Fait qu'on vous invite de nous rechercher. On va être les souris fières. Recherche-nous sur la Facebook. Cliquez like ou aimer, je sais pas quoi, mais j'aime pas le Facebook, mais en tout cas, ben, clic. Ben, trouvez-nous, puis participez. Ça va être 2h p.m. On passe des spectacles au 11 mai. Mais viens dans. Ben, c'est deux tout. 2h p.m. Voilà! Y a-t-il quelqu'un ou quelqu'un d'autre qui aimerait faire une intervention? Ok. Oui. 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 Yeah. Yeah, salut, je représente un groupe qui s'appelle The Love Police Montréal. Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est plus fun. Je sais pas pour les gens en 2013, mais juste moi, cette semaine, j'ai apporté 3000 pièces d'étiquette. Juste notre groupe, c'est pas loin de 8-9000, on est 3 personnes. Dans les toilettes du McDo à Longueuil, ils m'ont baissé les culottes pour me pousser à la grande à l'air, pour me fouiller. Ça, c'est la police de Longueuil. Je me suis rentré à la tête d'un mur, justement, en avant de la place des spectacles. On vole notre matériel, on pète notre matériel. Vous êtes où? J'ai vu 300 000 personnes dans les rues. Il y a une prof qu'on t'a hausse tantôt, je me souviens plus vraiment de son nom, désolé. Elle a raison, c'est plus que dégueulasse. Je sors sur le ring de ma bicyclette, puis je me fais fouiller, puis poser des questions. On est rendu à un point aujourd'hui, le profilage politique. En étant en point étudiant, je n'ai pas d'organisme qui me back à l'arrière, là-bas, Denis Poitras qui passe son temps à savoir des téléphones de moi. Je suis en train de donner un payroll. J'ai un autre camarade aussi, Cathy, qui crée en haut de 6000 piastres en ticket. Il a des portes tout le temps à l'extérieur du centre-ville. On va avoir besoin du nombre, parce qu'il y a un autre gars encore hier à l'hôtel de ville, ça coûte peut-être sur le béton. Hier, c'est un autre de nos camarades qui a subi justement à la subvention emploi. Puis je suis rendu à un point où j'ai envie de tout crisser ça là, parce que justement, il n'y a plus personne qui sort avec nous. On est rendu sans l'invite, on fait juste s'en faire battre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hier, le gars dont il parlait, qui s'est fait arrêter, les policiers à vélo l'ont suivi jusqu'à temps qu'il commette la plus petite infraction. Puis ils l'ont arrêté pour ça. Ils l'ont suivi jusqu'à temps qu'ils mettent le pied dans la rue, entre deux intersections. Une centaine de personnes ont il a demandé l'identification des policiers, puis l'ont thérapé. C'est comme ça que ça s'est passé. On le voit très bien sur des vidéos. Je remercie Panda qui a mis ça sur Internet. Puis Alexandre Bio, maintenant il se rappelle de mon nom. Puis chaque fois que je traverse la rue, parce que je me promène souvent devant les manifestations pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe en avant, ben
ils nous promettent des étiquettes de traverser la rue qui est barrée. Il m'en a promis deux jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il attend plus que je n'écoute pas ses ordres pour qu'il pour pouvoir m'arrêter. C'est, maintenant, c'est comme ça à Montréal. Ils veulent juste tout nous pogner et qu'on se tente en aille chez nous. Mais je leur promets que ce sera pas moi le premier qui va rentrer chez moi. Yeah! Bon, j'ai pas vraiment l'habitude, là, ça fait longtemps que j'ai perdu cette habitude-là, mais bref, j'ai fait tous les manifs du printemps érable. Parce que pour moi, c'est important, la gratuité, la vraie gratuité scolaire, à partir du primaire, en montant. C'est la raison pour laquelle je l'ai faite. Je suis une grand-mère, avec une petite fille qui vient de commencer cette année l'école. Puis, pour moi, c'est vraiment important. Je continue à manifester parce que l'AP6, pour moi, il n'y en est pas question d'accepter ça. C'est un droit démocratique fondamental de descendre dans la rue et de crier non aux injustices. Ça, c'est clair. Je travaille dans un organisme communautaire. C'est pas aujourd'hui que je vais aller m'asseoir chez nous en me disant on peut rien faire parce que la police. J'ai peur, mais je continue à descendre dans la rue. J'ai eu un ticket. Je vais contester, puis s'il faut que je paye, je vais aller faire des travaux communautaires. Il n'y aura pas une crise de scène. J'aimerais faire un remerciement à tous les médias, tous les gens qui ont pris le temps de... Je parle de médias sociaux, désolé. Je veux remercier les médias sociaux, tous ceux et celles qui ont pris, qui ont eu le courage de prendre des photos pendant nos manifestations, pendant qu'il y avait de la brutalité policière. J'en ai vu de la brutalité policière depuis le début du printemps érable. Puis pas à peu près. Des jeunes filles, pas plus grosses que moi, trois policiers la fessée dans le ventre avec le matraque. J'ai vu des horreurs pendant le printemps érable. Un couple d'amoureux dans un parc qui ont reçu une bombe en avant d'eux autres puis se demandaient ce qui se passait. J'ai vu plein d'affaires illogiques dans un pays dit démocratique. Je suis découragée de mon pays, vraiment. Mais je vous promets que je continue à descendre même si j'ai peur. Moi, je marche une demi-heure de plus que vous autres. Parce que je viens de Longueuil et je marche de chez nous au métro. En criant des slogans. Je me pratique dans ma tête. Et quand c'est fini, je marche une demi-heure de plus aussi pour revenir chez nous. Mais je vous le jure, des fois, j'ai mal dans le ventre tellement que j'ai peur. Mais je me dis, je ne peux pas lâcher. Puis je vais continuer à descendre avec vous autres. Puis on va accumuler l'étiquette, puis on va trouver des manières de se faire entendre, peut-être autre que la manif, mais qui va avoir quand même beaucoup de son. On va être capable de faire en sorte que les gens vont finir par se réveiller. Je ne peux pas croire. Hier, je pense aux syndicats qui sont vendus au gouvernement, qui ne sont pas venus à notre défense. Puis que les pistes beurrées, moi je les appelle de même, là, les pistes dorées toutes capitonnées, là, ils étaient où? Ils étaient avec nous autres. Exactement. Il n'y avait aucune police avec les syndicats. Ça, c'est du profilage. C'est clair, net, précis. C'était du profilage. Il y en a un au parc La Fontaine qui prenait des photos, puis il y a quelqu'un du syndicat qui a dit de s'en aller, puis la personne a dit, c'est un de nos camarades, et la personne lui a dit, je m'en vais pas, j'ai le droit d'être où je veux. Ben, le monsieur du syndicat est allé chercher la police. Fuck les syndicats. Désolé, là, mais c'est fini. On peut pas avoir confiance. Ils n'étaient pas dans la rue avec nous autres au printemps. Puis ils sont pas plus avec nous autres dans nos luttes. Que ce soit pour l'aide sociale. Ils sont là pour le chômage, mais pas pour l'aide sociale. Faut pas l'oublier, celle-là. Il y a une réforme à l'aide sociale qui s'en vient. Puis ça, ça veut dire qu'il va y avoir plus d'itinérants dans la rue. C'est ça que ça veut dire demain, là. Yeah! J'arrête, là.
Alors, bonsoir. On m'a dit qu'ici, c'était la démocratie, que tout le monde pouvait parler. Bonsoir, je m'appelle Yann Lafrenière du SPVM. Change de cassette! Je suis venu incognito. Comme vous voyez, je me suis mis du poil et puis du linge sale. Je suis comme vous. Non, mais je voudrais saluer tous les agents infiltrateurs dans la salle, salle de marbre. On se reconnaît pas des fois, hein, ça, ouais, c'est ça, ça n'a pas. Alors, ben, bonsoir, et je voudrais simplement prendre le micro. On m'a dit que c'est un micro ouvert, et je vais le prendre parce que j'ai entendu beaucoup de désinformations ce soir. Ouais! Mettre les points sur quelque chose. Ben d'abord, tu sais, il y a des gens qui ont parlé de contraventions excessives qu'on avait distribuées, mais je vous vois là, avec des bières, il me semble qu'une petite amande salée, ça serait pas pire avec ça. Excusez, c'est le mot policier. Non, mais simplement faire le point sur différentes choses qui ont irrité les gens dernièrement, des petits irritants, oui. Oui, effectivement, on a saisi la tête de l'arco-panda parce qu'il représentait une menace sérieuse. On a aussi arrêté une jeune femme qui avait diffusé une photo de moi parce qu'elle représentait une menace sérieuse. Je peux vous dire, le ridicule, on dit qu'il tue pas, mais il me menace sérieusement. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Dans les dernières semaines, il y a aussi eu des manifestations qui n'ont pas duré très longtemps. La brièveté de ces manifestations-là, qu'on a interrompues un peu avant qu'elles ne commencent, ben, c'était pour une cause de sécurité publique. On voulait arrêter les manifestations avant qu'il y ait de la brutalité policière. On est allé vite, on a été proactif, on est allé vite. Je vais revenir sur quelques points que j'ai entendus. Je vais me faire à la fois l'avocat et le diable, puisque je connais très bien les deux. Et j'en ai de très bons de chaque côté. Hein. Sans plus tarder, je vais évacuer tout de suite le dossier de Victoriaville. Vous avez l'air d'avoir une petite crotte sur le cœur là-dessus. Écoutez, Victoriaville, les manifestants étaient extrêmement dangereux. Il y en a qui portaient des foulards. Il y en a qui avaient des cagoules par-dessus leur foulard. Non. Il y en a même qui étaient armés de bouteilles d'eau. Non! Ben, écoutez, une bouteille d'eau lancée sur un policier déshydraté, ça peut faire du tort. Et d'ailleurs, si on n'était pas intervenu très rapidement, sûrement que les manifestants auraient saccagé la ville entière. Et saccager Victoriaville, ça ne doit pas prendre plus que 10-12 minutes. Et là, il y en a qui se demandent, bon, est-ce qu'on avait besoin de frapper les manifestants? Mais c'est un peu ce que je dis à mes hommes. Non, mais moi, je dis la même chose à mes hommes. Écoute, si tu ne sais pas pourquoi tu frappes un manifestant, frappe-les pareil, lui, il sait. Non, c'est vrai, les gens sont tellement bien informés sur Twitter. Les médias alternatifs. Évidemment, il y a eu des projectiles de tirer. C'est regrettable. Mais il faut savoir que nos agents sont formés pour tirer. Ah oui. Et, tu sais, les étudiants se promenaient avec des belles petites cibles rouges. C'était tentant. Non, il faut dire que, écoute, on a été très en demande et puis évidemment, on a travaillé très fort. À coup de 5-6 manifs par jour, on est. C'est sûr qu'on a moins de visous quand on est fatigué, mais je ne suis pas ici pour me plaindre. Hein? Dernièrement, je suis beaucoup amélioré. Là, on court après des hommes d'affaires et des politiciens. Oui, c'est plus facile à pogner. Hein? Ça court moins vite les poches pleines. Mais j'ai entendu toutes sortes de choses regrettables. Usage de la force abusif, profilage politique, arrestation injustifiée, menaces verbales et physiques. Écoutez, comme l'a si bien dit Francœur, notre président de la fraternité, la police est quand même une organisation paramilitaire. Et j'aimerais ajouter avec ma petite face de poupée bout de chou, mais qui en pense pour moi. On a un travail à faire. Que voulez-vous? On a un travail à faire. Et si les étudiants et les manifestants pensent qu'ils vont nous arrêter en grattant un peu de guitare, ben ils se mettent une grenade dans l'œil.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je compare à avant, les manifestants, c'est plus ce que c'était avant. Non, c'est vrai, aujourd'hui, on ne peut plus leur casser une petite dent sans se ramasser avec une plainte en denturologie policière. Puis il y a eu l'agent 728. Vous m'avez entendu parler de 728, évidemment. Bon, elle a sauvagement, ce qu'on dit, arrêté ceux qu'elle a qualifiés elle-même, et je cite, d'hostie de carré rouge gratteux de guitare de platonnier du Noël. Savourez la poésie ici, quand même. Mais je peux comprendre que les gens aient été choqués par les commentaires de notre bonne amie Steph. Quand elle a parlé des hosties de carré rouge du plateau, moi non plus, j'aime pas ça entendre parler d'eux autres. Elle a aussi ajouté, je cite, « Il a fallu ce que je retourne en dedans pour repogner les crottés de rats qui se décrissaient par derrière. » Bon, crottés de rats, ça peut paraître intense, mais je vous le dis, c'est rien à côté de ce qui se dit quotidiennement sur les travailleuses du sexe de Centre-Sud, les prestataires de sécurité sociale d'Hochelaga ou les Noirs de Montréal-Nord. Ce que vous avez entendu là, c'est de la petite jasette de 5 à 7, fait que... Ben, c'est ça, c'est de la culture d'entreprise. Ben, je vais vous la piquer, celle-là. Ouais. Mais soyez assurés qu'en tout état de choses, le SPVM va faire tous les efforts pour combattre les préjugés. Et comme on dit à l'interne, quand on combat les préjugés, il faut quand même rester prudent parce que si tu laisses des marques, ils peuvent te poursuivre. Bon, OK. Mais c'est sûr qu'après toutes ces bavures-là, comme vous dites, ben, les gens se demandent si ça existe encore des bons policiers. Ben moi, je peux vous dire que oui, il y en existe encore. Je peux être baveuse, non, je peux vous en nommer bien plus que ça. Claude Legault, Brad Pitt, Morgan Freeman. Des super bons policiers. Et bien, en terminant, aux gens qui se demandent, mais au fond, qui nous protège de la police? Je leur répondrai seulement ceci. C'est une excellente question. Bonne soirée. Merci les apartistes. On a brisé un peu la magie du théâtre. On n'était pas déguisés en Yann Lafrenière. L'illusion aurait été parfaite. Mais non, on nous a demandé de venir. Mais je suis content qu'on nous ait donné un open mic. Parce que dans l'open mic, j'aimerais simplement remercier s'il y en a qui se trouvent ce soir ici. Peut-être pas, mais c'est pas, peu importe. Je ne cherche pas de pub. Mais simplement vous dire que... Il y a un soir donné du mois d'avril, il y a un an environ, les Black Blocs nous ont sauvé le cul. On allait vraiment se ramasser des coups de matraque, la mort, ça aïeule. C'était dans le quartier chinois. La police a foncé sans avertissement sur une foule qui était absolument pas au courant de ce qui se passait. Et autour de nous, il y avait des gens qui n'avaient jamais fait ce genre de manif-là, qui ont été pris. Il y avait des poussées, effectivement. Ils ont été pris littéralement. Ça n'avait aucun sens. Quand on a vu les Black Blocs arriver, rassurer les gens, leur donner de l'eau avec du vinaigre, dire aux gens, calmez-vous, marchez tranquillement et se mettre entre nous et la police pour leur dire, au bulot de bord, calmez vos crises de mer. Voilà. Merci. Juste merci. Bon, alors, on vous a fait un petit Yann Lafrenière. Mais aussi, dans nos spectacles, on se plaît, on va un peu partout, on fait pas juste des bars avec des anards, tu sais. Non, on fait aussi la maison de la culture avec des mononcles, des matantes qui ont jamais entendu parler des manifs. Il y a un personnage qui s'appelle Yann, qu'on leur fait. C'est drôle l'effet que leur fait ce texte-là. Ce texte-là aura peut-être pas le même effet sur vous, mais... Non, parce que vous êtes au cœur de ça, vous le savez, mais à des gens qui n'ont jamais entendu parler des manifs et qu'ils n'ont jamais vu ailleurs qu'à TVA, ça fait un astuce choc. Ça fait quelque chose. En tout cas, on trouve que c'est dans le mandat que l'humour aussi, des fois, nous emmener dans ces coins-là. Puis on est au Saint-Cyboire, c'est du stock humoriste ici. Fait que je vais vous faire le texte qui s'appelle « Ja 3 ». C'est une trilogie, en fait. Au début, ce jeune-là, il fait pas de manif pantoute. Il parle de la Syrie et de la Libye. Il n'y a aucune crise d'idée, c'est où? Après ça, il se ramasse dans la rue, il se prend des coups à la gueule, puis il n'en vient pas trop de ce qui se passe. Il se pogne avec son père, puis ça, c'est la troisième version. C'est la troisième version, Yann est rendu là. Fait que c'est ça qu'on fait en show à plein d'autres mondes.
Hey, on avait de ça que le printemps revienne, hein? Shit, oui. J'ai le cœur en miettes, même. J'ai participé à 35 manifs le printemps passé. Mais regarde, je dis pas ça pour flasher, le 35 c'est rien, je te dis juste ça pour être. Ça veut dire que j'ai le cœur en miettes. J'ai le cœur en miettes, je vous dis. Je me suis entraîné à croire à quelque chose, comme dit ma mère. Aujourd'hui, je suis en attente de procès. J'ai un couvre-feu à respecter. Une injonction à respecter. Des édifices à pas approcher. Une amende à payer. Un genou fucké. Puis un chum qui a l'oreille arrachée. C'est une chance que le PQ est là. C'est vrai, pour moi, le PQ, c'est comme le PLQ, mais sans elle. Un peu comme les coups de matraque qu'on a reçus, on est passé du rouge au bleu, mais ça fait mal pareil. Tu sais, je marchais pas juste pour une affaire de cash. Je marchais contre l'injustice qui se prétend être le seul système possible. Mais comme dit mon père, tout a déjà été essayé, hein? Oh, il parle de même, mon père. Tout a déjà été essayé! Il y a juste ça qui marche! Tu sais, quand c'est égal pour tout le monde, ça nivelle par le bas. C'est plate, mais c'est de même. Puis de quoi tu te plains, voyons donc? T'es chanceux. T'as pas de guerre ici. Mais c'est justement. C'est le temps d'agir. Pas pour la provoquer, pas. Pour l'éviter. Oh, Yann! C'est ça, game! Habitue-toi! M'habitue. M'habitue à quoi? Écoute, mon gars. Si t'es pas à gauche à 20 ans, t'as pas de cœur. Mais si tu l'es encore à 50, t'as pas de tête! Ah ouais? Mais c'est-tu quoi, Pan? J'en veux pas de tête d'abord. Yes! J'en veux pas de ta tête. J'en veux pas de ta tête. Qui veut toujours moins d'État, mais toujours plus d'anti-émeute. J'en veux pas de ta crise de tête. Qui se scandalise la commission Charbonneau, mais qui est incapable de voir sa propre corruption, qui est incapable de voir sa propre pourriture de tête baissée, qui avance bien fière dans la jungle, en broyant devant le peuple d'Oxfam, mais en rien de la vieille autochtone saoule dans ruelle, pas de temps. J'en veux pas de ta crise de tête, pis non, je m'habituerai pas. Non, je m'habituerai pas. Parce que j'ai fait le choix d'être naïf. J'ai fait le choix d'être haïssable partout où je vais. J'en veux pas de ta tête. Puis non, je m'habituerai pas. Parce que ta tête, elle fait ben trop peur. Parce que ta tête, elle pute ben trop la mort. Tu sais, l'autre jour, je suis en train de poser des tracts contre P6, un règlement municipal voté par des élus corrompus de chums de la mafia. Il y a deux filles qui sont passées à côté de moi et qui m'ont traité d'intense. Deux filles avec qui j'avais marché plein de fois l'année passée. Puis Christ, que j'avais hâte que le printemps revienne. Fallait-tu être épais? Ça commence à ressembler à quelque chose qui est plus à la mode. Ça commence à ressembler à quelque chose qui passe. Je le vois, je l'entends, je le sais, je le sens. On est en train de passer à autre chose bien tranquillement. C'est déjà en train de faire dans nostalgie un an déjà. Où étions-nous? Qu'en reste-t-il? Ça passe à autre chose. Ça avale l'os. Ça choque. Ça veut plus descendre dans la rue. Ça veut juste rester tranquille chez eux à regarder 19-2. Hey gars, je le sais, je suis jeune. Je le sais que je sais rien. Je le sais que je 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 sais. Mais j'ai le cœur en miettes, je te le dis. Il y a juste une affaire qui me console. À ce temps, je sais qui je suis. Puis je sais que je suis demain. Toi, habitue-toi.
écoutez, j'ai pas de grand discours, je veux juste vous dire, j'ai été beaucoup dans les médias récemment. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ma tête, puis les médias humains. Je voudrais remercier ceux qui m'ont envoyé des messages de support, mais je voulais juste vous dire une chose. Malgré la page qui demande la démission, qui, malgré les menaces de mort sur Twitter, puis malgré ce genre d'affaires-là, je suis le manifestant le plus supporté au Québec. Occupez-vous des autres. Occupez-vous des gens qui... dans une arrestation de masse, le tour chez eux puis se font engueuler par leurs parents parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils prennent une étiquette de 637$ pour des niaiseries humaines. Puis qui ont peut-être, s'ils sont chanceux, deux amis qui comprennent pourquoi ils font ça, avec qui ils peuvent discuter de ça. C'est eux qui ont besoin de nous. C'est eux qui ont besoin de notre temps, puis notre support, puis de nos moyens pour les aider à ne pas être seuls au travers de tout ça. Il y a une comité de soutien qui sont en train de se former actuellement. Une super belle initiative, il y en a déjà trois de former. L'UQAM à Maisonneuve, puis il y en a un qui s'en vient au Vieux-Montréal. Faut pas se laisser tout seul au travers de tout ça, pour vivre cette impression-là. Et je remercie beaucoup ceux qui ont initié ces choses-là. J'espère qu'on continue dans ce sens-là. Puis ça fait vraiment du bien de vous voir ici à soir. On lâche pas. Merci. Je sais pas si ça va tenir. Oh oui, bravo! Non. Ok, ouais. C'est pas pour être lourd, mais j'ai comme fait... Ben, en fait, c'est ça, je déteste parler de moi. Je vais pas parler de moi, mais je vais commencer par parler de moi. Ok, mais quand il y a eu la nouvelle de la Narco Panda qui se faisait rétribuer sa tête, ben, moi je me suis dit, est-ce qu'ils vont me rétribuer mon deuil? Mais sinon, c'était plutôt drôle. Moi je trouve ça drôle, c'est correct. Mais ok, non, mais pas pour parler de moi, mais... Pareil, plus généralement, on peut se plaindre de la police, on peut se plaindre de la dérive que prend l'égalité, on peut se plaindre de la dérive que prend le politique présentement, on peut se plaindre de tout ça. Foncièrement, on vit dans un système totalitaire, pas pour faire le syndrome de Goodwin ou n'importe quoi, là. On vit vraiment dans un système totalitaire où toutes nos sphères de notre vie est orientée par un système. Toutes nos sphères de notre vie sont orientées de manière répressive par un système qui nous oppresse constamment. On le voit dans plein de trucs, là, on le voit dans la répression, comme le camarade ici le dit tantôt. Là. On le voit aussi dans le milieu intellectuel, par le fait qu'on dévalorise toute valeur humaniste au savoir, que le savoir est supposé être un savoir opérationnel pour faire en sorte que le système fonctionne, pour entériner la domination sociale. On peut faire plein de trucs, on peut se rebeller, je vous appelle tous et toutes à venir dans la rue le plus souvent possible comme on le fait, puis on est rendu Chris 50 à le faire. Mais bon, je vous appelle. Tu sais, c'est con, mais ce que Christian disait il y a deux secondes, que est-ce que c'était une mode qui a passé? Genre, Chris, le monde sont où? Là? C'était-tu pour vous faire du capital politique, du capital intellectuel, du capital personnel en tant que militant? C'était quoi, genre, ou militante? Tu sais, c'est le même système, c'est la même logique. Je comprends qu'il y a de l'épuisement, ça, je le conçois totalement. Après ça, il y a un système qui est en marche, il y a un système qu'il faut déboîter, puis il y a un système qu'il faut... faut faire de quoi, puis... c'est ça. En fait, c'est juste un appel à être humaniste, peu importe qui vous êtes, puis faire en sorte de vous rebeller, peu importe la manière que vous adoptez pour le faire, mais le faire constamment, puis en réfléchissant, en le faisant. Tu sais, c'est pas en envoyant des tweets sur Twitter ou en parlant à vos amis sur Facebook que ça va se faire. Toute réflexion est lente, puis toute action est rapide. Faut sortir. Si c'est ça qu'il faut sortir de l'action. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de revenir sur vous. Prenez le temps de revenir sur la société. Réfléchissez-y, mais prenez votre temps. Ce qui est le plus pervers au système, c'est qu'il nous arrache du temps. Faut reprendre ce temps-là pour l'appliquer. Si vous êtes bon à picher des briques à des flics, ben faites-le. Si vous êtes bon à écrire des livres, faites-le. Si vous êtes bon et bonne, désolé, j'ai pas fini. Si vous êtes bonne à faire ce que vous voulez, à organiser des réunions, c'est d'acter, parler entre vous, donnez-vous des câlins, faites ce que vous voulez, faites l'amour, tu sais. Mais tu sais, faites de quoi, puis en tout cas, j'espère qu'on va faire de quoi, parce que je crois pas à l'homo economicus, puis je crois que l'homme et la femme, c'est autre chose que simplement ça. Fait que je vous appelle à vous rebeller. Merci.
j'aurais tant de choses à vous dire ce soir. Merci vraiment pour la soirée qu'on vient de passer ensemble. Je pense aussi qu'au-delà de l'action, ce qu'on a besoin de créer ensemble, c'est des liens de solidarité. Des liens qui nous permettent de travailler ensemble aussi. Je veux pas parce que je veux éternellement revenir au rapport qu'on lance ce soir, mais moi, à travers ce rapport-là, j'ai découvert des militants de l'écrit, des militants qui sont capables de construire des choses ensemble, d'écrire des choses ensemble et de participer à l'histoire. Puis j'aime beaucoup l'appel là-dessus, l'appel de travailler à ce que vous aimez faire, à ce qui vous appelle, puis de créer des liens de solidarité à travers ça pour construire des projets puis construire des actions qui vont continuer les mouvements qu'on a débutés pendant le printemps, mais qui viennent de loin aussi. Puis là, Raïssa, à finir cette soirée-là, je sais pas quoi dire, parce que là, on a des gens extraordinaires qui ont aussi le goût de nous remonter le moral, de nous faire danser la soirée. Fait que là, est-ce que vous avez envie que nos bandes viennent sur la scène? Parce que ce qui est dur de cette soirée-là, puis moi je le voyais venir, c'est qu'on est entre le partage d'expériences individuelles et collectives vraiment difficiles qu'on a vécues pendant la grève, puis vers fêter ensemble le travail qu'on a fait dans le rapport, qu'on lance, puis qu'on continue. Fait que là, je savais déjà que ça allait être un double but un peu difficile à agencer ensemble. Mais merci, je sens qu'on a vécu les deux ce soir, puis je sais qu'on pourra en parler pendant des heures de tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Mais j'espère que ce rapport-là va quand même participer à ce qui s'est écrit, à ce qui s'est dit, à ce qui s'est vécu. Puis moi, j'ai découvert des gens à travers ce rapport-là extraordinaire avec qui j'ai travaillé, puis je vous remercie, c'était vraiment génial. Puis, tu sais, dans la même lignée, moi j'ai été arrêtée au G20 de Toronto en 2010, fait que la répression, ça vient pas de commencer. Puis j'ai rencontré là aussi des gens extraordinaires, complètement débiles, dont mon ami Guillaume là-bas. Guillaume, allô Guillaume. Allô. C'est ça. Fait que lui, on s'est croisés à la prison de Toronto. Oh, j'ai avant. Non, ah non, avant ça, dans l'autobus, en allant à Toronto. Oui, c'est ça. En allant à la prison. Même un peu avant ça, on travaillait dans l'entreprise. Un peu le même projet. Mais bref, c'est lié à lui, il continue. Puis, ce gars-là, la semaine passée, je me disais, Colin, il faudrait de la musique dans ce lancement-là. Puis là, j'ai écrit, puis j'ai dit, hey, Guillaume, tu serais-tu game de jouer une toune? Puis là, il m'a dit, bah ouais. Fait que là, j'ai dit, ah ben là, il a dit oui. Je vais demander 10 tounes. Puis là, Guillaume, il m'a répondu, oh, je vais pas jouer 10 tounes, je vais venir avec mon band. Fait que ce soir, on a avec nous Guillaume, un gars génial, Guillaume Moreau, qui viendrait jouer avec son band. Puis, est-ce que vous êtes prêts à ça? On passe à quelque chose de plus festif. Mais il y aurait Guillaume, puis il va y avoir aussi Robert Fusy et les Chiens Fous. Vous les connaissez? Non, vous les connaissez pas? Je suis sûr que dans le fond, vous les connaissez, mais vous ne le savez pas encore. Parce que, ouais, c'est ça. Ils sont bien cool. Fait que, moi, je vous inviterai à continuer la soirée là-dessus, puis partez pas parce que ça va être bien fun. On en a pour au moins une bonne heure et demie de musique live à triper ensemble. Allez vous chercher une autre bière. Merci beaucoup d'avoir été là. Allez vous chercher un rapport en sortant aussi, il en reste. Puis demain matin, on fait une conférence de presse à 10h, puis on le lance sur les réseaux sociaux aussi, fait que partagez-le. C'est une façon aussi, puis j'aimais bien ce que monsieur des apartistes dit en arrière, c'est une autre façon de faire l'éducation populaire. Je pense que dans nos familles, on a tout du monde qui n'ont pas pantoute compris qu'est-ce qui s'est passé pendant la grève. Bon, ce rapport-là écrit peut permettre aussi à ce que des gens un petit peu plus sérieux, qui ont besoin de trucs à lire, le lisent, puis comprennent une partie de l'histoire de la grève. Fait que partagez-le demain matin, puis c'est ça. On laisse les musiciens se préparer, puis merci beaucoup d'avoir été là. Merci!